Bon les gars, la moto me fait des trucs hyper bizarres. Elle ratatine en fait, elle fait que ratatiner, c'est l'enfer. Je crois que malheureusement, cette moto elle aura pas tenu trop sa promesse. Ou alors j'ai vraiment pas de chance. Mais c'est là c'est la galère. Je vais vous faire écouter. On voit qu'elle monte pas dans les tours comme il faut. L'amortisseur il est toujours on va dire au moins très mal réglé, mais pour moi il y a encore un problème. Voilà, regardez, dès que je vais accélérer. Regardez, c'est pas possible, on peut. Quand tu veux rouler. Et je veux accélérer, ça accélère même pas. Je me suis dit, est-ce que j'aurai enfin une sortie sans problème avec cette moto qui est neuve. Et malheureusement, c'est un peu le bordel quoi. Mais en fait, je peux même pas monter dans les tours, limite ça va. C'est l'enfer, j'aurais même pas su la 125. T'as vu comment elle ratatouille? Non, il est pas. Elle broute pas, parce que... Ouais, elle broute de ouf. Non, là elle est chaude. Ouais, Franck. Je dis, faut faire gaffe parce qu'il y a vachement de promeneurs le matin ici. Et j'arrive même pas à suivre mon frère. Oh, ça, par contre, ça bombe la fantique. Ah, ça a l'air mieux là. Oui, oh, yes, c'est bon. Je pense que c'était le dans le carbu, une connerie, mais. Ah oui, oui, yes. Ah, je suis refait. Oh, il est énervé le gars. Quoi? Ah, oh, j'ai failli mourir. Je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus. Le verglas là. C'est bon, problème réglé. Elle fonctionne normalement. Ben je sais pas, je pense que c'était le starter qui était coincé, mais il était. J'avais bien enlevé, j'ai remis, j'ai enlevé et ça. C'est affreux mec. Tu as même le démarreur. C'est l'enfer. Le Giggs. Regardez-le le Giggs. Alors là il y a Giggs et là il y a Giggs. Et ça me fait penser, il y a deux semaines, la dernière fois que j'ai roulé entre guillemets en cross, c'était un peu l'enfer, puisque déjà c'était complètement gelé, donc hyper dangereux, c'était béton avec peu de grippe,
Il y a un mec qui est tombé en sortie de virage. Il a accéléré pour sortir d'un saut. Et il est tombé. C'était tellement dur que ça lui a ouvert tout le bras. Genre vraiment tout le bras sur genre 10-15 cm jusqu'à l'os. Une ornière en terre. Bah on va y aller l'endroit où les suspensions sont trop raides pour avoir de l'adhérence et être serein. Je parle même pas de faire une perf. En fait, je suis sûr que Guigui est hyper serein. Mais moi au final, on va dire je ne suis pas du tout parce que en fait je me rends pas compte d'où ça. Allez hop. Ciao. Et désolé. Oh,
Putain, c'est impossible. J'ai l'impression que ça... Même là, je repars, j'ai de l'élan. Je suis sur le filet de gaz et... Dans tous les sens, quoi. Elle là ? Non là. Ça va ? Je sais pas comment c'est fait moi. Ça va, Tanguy ? Hop là ! Elle est bien. Elle est plus raide que l'autre, j'ai l'impression. Elle est plus raide, ouais. Elle est plus courte, mais elle est plus raide, par contre. Ah, ma couille. Ah. Oh. Si près du but. C'est quand même beau, l'Auvergne, hein, regardez. C'est quand même beau. Really good. C'est really good.